Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte de ce jeu Guilt. C'est un jeu d'action-aventure horreur et qui est aussi disponible sur Xbox pour 20 euros. Voilà. Alors, je fais une vidéo découverte, ok? Si ça vous intéresse que je continue l'aventure jusqu'à terminer, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Là, je vous mets aussi la webcam afin que vous voyez mes réactions et tout, mais c'est pas sûr que je vais le finir. En tout cas, il va falloir me motiver. Hein. Déjà ici, au niveau de l'accueil, on voit qu'il y a donc le police department, on voit qu'il y a quelqu'un qui est perdu, donc missing. On dit, est-ce que vous avez vu cet enfant? C'est Emily Kaufman, donc elle a 7 ans. S'il y a quelqu'un qui a des infos, n'hésitez pas à appeler le 555-01-34. Allez, c'est J'en parti. reviens pas que ça fasse déjà plus d'un mois. Se déplacer. Ah, ok, on peut placer, peut mettre les affiches. Émilie. Un jour, elle a disparu. Personne ne sait pourquoi. Les gens ont perdu espoir après quelques semaines. Ils ont juste renoncé. Mais moi, j'abandonne pas. Je vais la retrouver. Il le faut. Hey, salut! Encore en train de chercher ta cousine? Quel œil partant! Ok, du coup c'est sa cousine. Il est fichu. Comment je vais faire pour rentrer chez moi? Alors, les inhalateurs redonnent un peu de quoi? J'imagine de la santé. Inhalateur quand Sally est blessée, maintenez Y pour utiliser l'inhalateur. Bien. Elle est asthmatique? Ah, ils sont encore là. Oh, l'ambiance, les gars. Tu pourras pas rester caché. Le funiculaire. Il devrait pouvoir me déposer près de chez moi. Il me reste de la route. Oh, ok. Donc je suis là, au niveau du curseur rouge, et je dois me rendre tout à bouche là. Vers la station du funiculaire. Allez, let's go. Si je rate le dernier funiculaire, ça va être compliqué. Qui doit utiliser ce chemin. Eh, je trouve que les voies sont bien faites, hein. Oui. Le déplacer.
Je venais d'où? Ah ok, de l'autre côté. C'est bon, on est arrivé. Tu es perdu? Est-ce que vous pouvez m'aider? Il faut que je prenne le funiculaire. Il est tard, mais comme je suis encore là, je vais t'aider. Trouve-toi un ticket. C'est vraiment indispensable? Oui, ma petite, vraiment. Il n'est pas clair, ce monsieur. Pas de ticket, pas de voyage. Bon, d'accord. Permettant d'effectuer un trajet en, funiculaire. Il est bizarre, tout rugueux et poreux, comme s'il était fait de terre. C'est bizarre qu'il y ait un ticket là, comme ça. Enfin bon, je vais le prendre alors. Bah, il est où? Il est parti. Mais il va peut-être revenir. Je vais attendre dans la cabine. Ça sent pas bon cette histoire, les gars. Vous pouvez trouver des réponses dans les livres, c'est pas si vite. Non. J'ai cru que ça allait céder. Oh, eh ben, c'est la dernière fois que je monte là-dedans. Il y a une lampe torche. Bon, maintenant, elle est à moi. Il n'y a personne. Qui a éteint la lumière? Ok, c'est parti. Et il y a un truc. Là, ça tremble au niveau de la manette. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'ai peur de... Oh, il y a un truc. J'ai peur de courir. C'est un mec là. Pas de police, pas de pompiers.
Ni d'ambulance. Tout le monde a quitté la ville ou quoi? J'espère qu'il n'y a pas eu de victime. C'est quoi ça? Mais c'est... Emily? Depuis tout ce temps, elle était dans l'école? Non, je ne vois pas. Pourquoi elle se cache dans l'école depuis plus d'un mois? Fermé, bien sûr. Que faire? La clé est peut-être... Elle était juste là! Mais comment elle s'appelle? Sally, tu te fatigues vite. Hein. À un moment donné, on va devoir courir. Devrait permettre d'ouvrir la porte principale de l'école. Elle est où la sortie? Pas repéré par les monstres à et éteignez la lampe torche herbe pour que ça n'y passe inaperçu. Ok, détection par l'ennemi, aura blanche. Le monstre se doute de quelque chose, mais n'a pas encore repéré Sally. Aura jaune, cachez-vous vite. Un monstre aperçut quelque chose et se déplace pour examiner la zone. Aura rouge, Sally a été repérée. Il y a encore plein d'autres monstres. Il faut pas qu'ils me voient.
Alors, trouver Emily dans l'école. Truc. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Encore un drôle de livre. Je sais même pas cet endroit ouvrir l'inventaire. Wow. Du coup, on est là. Alors, on peut aller, mais on sait pas. Bon, dans tous les cas, on sait pas là où elle se trouve. Ouah, du coup, on va faire tout le secteur. Ou bien, je peux continuer devant pour aller dans la salle 10B. Si j'y ai accès. Hein. Donc, non, c'est la salle 105. Puis accéder à la bibliothèque. Après, il y a la salle de biologie, ainsi de suite. Allez, on va faire au moins salle 105 et puis bibliothèque pour voir. On va essayer. C'est peut-être par là. Ouais, c'est par là. La porte du haut est verrouillée. Celle-là, elle est fermée. Je dois trouver la clé. Donc, il faut que j'aille de l'autre côté. Ça, je sais pas ce que c'est, ça me regarde. Emily, pourquoi tu parles? C'est pour moi. Oui, see you, donc on te voit. J'ai l'impression, faut pas que je... Alors, détection par les monstres. Une silhouette de Sally apparaît à l'endroit où les monstres ont perçu quelque chose. Attention. Ils se déplaceront pour voir ce qui se passe. Il est encore là-bas. Oh purée.
Les mains sont attirées par le faisceau lumineux de la lampe. Ok, de la lampe torche utilisée là pour détourner leur attention quand Sally est cachée. C'est quoi ça? Lost. Tout semble si différent. Pathétique. Je sais pas s'il peut me voir là-bas. Il faut que je pousse. Je m'en doutais. Oh, mais dis ça. Là, faut faire gaffe. Je pense que je ne peux pas encore entrer là. C'est pas possible. Il va falloir que je ferme tout ça d'abord. Ah, c'est ici. Ok. Emily disparaît. Et le jour où elle réapparaît, plein de monstres apparaissent aussi. Ça n'a aucun sens. Elle était où? Je n'étais pas ici, là. On doit passer par là, j'ai pas confiance. Morceau de ticket, on dirait un morceau du ticket du funiculaire, ok, tout vieux et tout usé, on dirait qu'il va tomber en poussière. Oh, attends, il peut rentrer par là, Encore un j'imagine. drôle de livre. De livres.
Ok. Du coup, on est dans cette salle, on est à l'infirmerie plutôt, et on doit sortir pour passer par là. Ok. Bon, les gars, pour les que la vidéo ne dure pas, si voilà, pour que ça dure pas, évidemment, je vais faire de courtes vidéos. Tout va dépendre de vous. Si ça vous intéresse de connaître la suite ou pas, bah, faites-le moi savoir dans les commentaires. Voilà, sur ce, moi je vous dis c'est la fin et puis on se dit à la prochaine. Salut, salut!